Allô? Salut Jean-Louis, ça va? Juste un instant, Je t'emprunte ton temps pour te dire que l'affiche sort de l'imprimerie, elle est vraiment superbe. Bon bah écoute, je suis très content que ça te plaise, et je suis très content en fait que ce soit votre première photo pour une affiche, tu vois. C'est, je suis content d'avoir ouvert le bal, voilà. La rencontre avec Thierry date de 1995. On avait décidé de faire un guide du commerce un peu décalé par rapport aux guides commerciaux habituels, avec surtout le portrait de nos commerçants. Et comme il avait commis un livre des portraits de ceux qui habitent dans les grands hôtels, ça nous avait séduit et on l'avait choisi. Et donc il nous a paru naturel que pour la deuxième édition de notre exposition de photos de grands photographes pour le festival, on fait appel à Thierry. Maintenant, on était un peu timide parce qu'on se disait, grand artiste, classé comme un des 5 meilleurs photographes du monde, est-ce que cet arrive, on va pouvoir l'accueillir? Et au contraire, il a été extrêmement généreux, c'est le cas de le dire, puisqu'il a fait ça pratiquement bénévolement. Il a créé cette exposition sur le thème de la fête. Et ça nous a donné l'idée, finalement, de lui confier l'affiche l'édition 2011. En fait, ce qui m'a fait très plaisir, c'est d'exposer sur les murs d'un collège. Parce que tout d'un coup, la photographie était en adéquation avec la culture, avec l'éducation. Et la photographie souffre tellement, justement, de ce manque de considération que je trouvais que, pour une fois, elle était vraiment à sa place. Je n'ai jamais pris la décision de devenir photographe. C'était provisoire, c'était momentané. J'avais vu un moyen de gagner tout de suite un petit peu d'argent. Alors, le goût de la photo me vient de mon père, parce qu'il en faisait lui-même. Et un jour, je lui ai demandé de me montrer comment ça marchait. En un week-end, ça a été une révélation. Mais j'ai été aussi beaucoup influencé par le fait que ma mère était abonnée au magazine Vogue. Et je le regardais, ce magazine, avec beaucoup de fascination, et en particulier pour la beauté du papier, la beauté des photos. Et je me suis fait mon éducation photographique dans Vogue. À partir du moment où j'avais décidé de faire de la photographie quelque chose de plus professionnel que simplement une occupation secondaire, je pars avec un coup de chance. Donc j'ai rencontré Tony Kent et je lui ai proposé mes services. Là, j'apprends mon métier et il m'apprend la technique. Et je lui ai donné toute l'énergie dont j'étais capable. Alors au fond, c'était quelque chose qui était un peu honteux, mais moi, à ce moment-là, j'avais tellement besoin d'argent, il fallait ne serait-ce que pour m'équiper, que j'acceptais tout ce qui traînait. C'est-à-dire, normalement, quand on construit une carrière, on doit refuser certaines choses. Mais moi, d'aller photographier un mariage en province ou un baptême à Paris ou faire des portraits de famille pour des gens qui voulaient garder un souvenir de leurs enfants, ça ne me posait aucun problème à condition qu'on ne me voie pas. Donc j'avais une partie sombre de mon travail qui était finalement la plus alimentaire et l'autre partie où j'essayais de mettre un pied, on va dire, dans les magazines pour commencer à exister comme professionnel, parce qu'il n'y a pas une voie où on dit « bon ben maintenant tu es professionnel, tu es amateur », par exemple. C'est un métier dans lequel il n'y a pas de carte professionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui dit aujourd'hui que je suis photographe? Eh bien, rien. La deuxième grande rencontre que je fais dans le métier, c'est une fille qui était en train de monter son agence de photos. On va dire que l'agent, tel que je l'ai vécu à ce moment-là avec Isabelle, n'était pas un agent commercial qui se contentait simplement de vendre un travail auprès de clients. Elle avait vraiment un œil qui était très complémentaire du mien. Isabelle, qui avait fait un travail auprès du magazine Vogue pour qu'il me rencontre, me commande un portrait de Gianfranco Ferré qui venait de rentrer comme directeur artistique de la maison Dior.
Pendant toutes ces années, je n'ai jamais pensé qu'un jour je pourrais faire travailler une seule fois chez Vogue. Pour moi, c'était un sommet invincible. C'était trop haut pour moi, beaucoup trop haut. Heureusement, ce portrait a beaucoup plu au magazine, qui en a fait tout de suite une pleine page, et qui, 3 mois plus tard, a fait la couverture du Vogue italien. Donc pour moi, ça a été tout d'un coup un soulagement. Je me suis dit, ça y est, j'ai le pied dans la porte. Maintenant, il faut que je rentre. Alors j'ai des rendez-vous avec des magazines à New York que m'organise Isabelle Wisniak. Je cherche un hôtel dans lequel je peux rester quelques jours. En montant dans ma chambre, dans l'ascenseur, un des numéros d'étage est remplacé par une plaque sur laquelle est marqué Pérez de Cuellar, qui est à ce moment-là le secrétaire général des Nations Unies. Et donc je crois naïvement que Pérez de Cuellar habite là et occupe tout un étage. En fait, ce qui serait très intéressant, c'est de faire une série de portraits de gens qui vivent à l'hôtel. Parce que tout d'un coup, c'est un mode de vie de nomade, mais sédentaire en même temps. Et donc je commence, sans m'en rendre compte, à produire des sujets parce que d'abord je considère que je ne travaille pas assez, donc j'ai encore du temps à y consacrer, et ensuite il faut que je gagne absolument plus d'argent juste pour vivre décemment. Et donc j'apprends, on va dire accidentellement, à produire mon propre travail, ce qui me rendra un service énorme, et je dirais jusqu'à aujourd'hui. Une grande partie de mon activité est de produire des sujets et de les revendre. Beaucoup de mes confrères ont été obligés de changer de vie et moi je continue à faire ce que j'aime. Une photo réussie, c'est une photo épaisse. Qui a de l'épaisseur dans son papier. Alors, ça représente vraiment quelques millimètres, mais quand je parle d'épaisseur, je dis bien sûr qu'elle contient vraiment beaucoup, beaucoup d'informations, et donc elle synthétise une idée, et elle suscite auprès de celui qui la regarde des questions, en se disant, qui est cette personne? Qui est ce paysage? Pourquoi ce paysage? Mais au fond, voilà, que ça suscite tout d'un coup une somme de questions. D'ailleurs, on se fout complètement de la réponse. Je regarde la société, j'analyse ses fractures, et c'est souvent dans les fractures que j'arrive à trouver de l'humour. C'est ça ce qui m'intéresse. Je suis très heureux quand j'arrive à trouver de l'exotisme à portée de main. Celui qui est parmi nous mais qu'on ne voit pas. Là, dans la rue. Qu'est-ce qui se passe vraiment derrière les façades? Ça me coûte cher hein, de ne pas être spécialisé parce que finalement, les gens ne savent pas exactement ce que je fais alors que quelqu'un qui est par exemple spécialisé dans la photo de parfum, tous les parfums viennent à lui. Aujourd'hui, il faut être très spécialisé. Et c'est exactement ce dont j'ai pas envie. Ça veut dire que si je devais, par exemple, renoncer au paysage, ce serait tout d'un coup renoncer à une jambe.